Bonjour à tous les amis, donc je me trouve aujourd'hui dans un appartement que j'ai acheté. Les travaux vont démarrer d'ici quelques jours et je suis venu prendre des cotes parce que cet après-midi j'ai rendez-vous chez mon cuisiniste préféré, Ixina, pour les plans de la cuisine. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est vous faire un tour complet de cet appartement. Allez, je suis devant la porte d'entrée à droite, on va avoir la cuisine, en face la salle de bain et à gauche la pièce principale. Donc c'est un appartement T1 qui fait 28 mètres carrés. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur cet appartement? Ben, comme d'habitude, on va tout refaire. Sol, peinture, cuisine, salle de bain. Je vous montre ici la pièce principale qui est relativement grande. Vous voyez, l'ancien propriétaire avait laissé une grande armoire et un coin bureau. Donc nous ici, on viendra mettre la télé. On a également ici un placard. C'est vraiment une pièce agréable et lumineuse. Voilà. Maintenant, je vais vous amener à la cuisine. Donc, bien sûr, on va recouvrir ce carrelage des années 80. On va mettre du parquet. Ici, je vais également. Alors, la pièce que je vous montrais juste avant, je vais changer la fenêtre aussi. Je vais changer aussi ce Velux qui est vieillissant. La cuisine est relativement grande, hein. Le cumulus, on va le déplacer pour pouvoir mettre des meubles hauts à la cuisine. On va le mettre dans la salle de bain. Évidemment, on va changer la cuisine, mais voilà, j'aime bien parce que cette cuisine est relativement grande. Là, ici aussi, on a un placard pour mettre du rangement, balai, aspirateur. On va garder les étagères pour y mettre, je sais pas, de la nourriture. Ici, alors pas ce meuble-là, mais on va remettre un meuble ici plus moderne pour qu'on ait un peu plus de rangement. Et puis regardez-moi cette table monstrueuse. Nous, on en mettra une plus petite, mais c'est juste pour vous montrer que la cuisine est quand même grande. Allez, je vous amène à la salle de bain. Très très propre aussi, mais qui est restée dans son jus des années 80. Donc on va remplacer cette grande baignoire pour mettre une douche. Évidemment, on va remplacer le meuble vasque. On va mettre des WC suspendus. Et le cumulus viendra ici juste au-dessus des WC. Comme ça libère de la place dans la cuisine. Et ici, il prendra pas de place. Et donc la machine à laver, on viendra la caser ici dans la cuisine. Voilà, je suis très très content de cet achat immobilier. C'est un petit appartement bien sympa. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne niveau chiffres? Eh bien, je vais vous dire tout ça. Alors, cet appartement, il fait 28 mètres carrés. Il y a une place de stationnement privative au pied de l'immeuble, petite copropriété. Il y a un rez-de-chaussée et un premier étage. Moi, je suis au premier étage. Cet appartement est affiché à 50 000 euros. Je le touche. Bon, je vous épargne le jeu de négociation, mais je l'achète 43 500 euros. 43 500 euros pour 28 mètres carrés avec une place de stationnement privative. On est relativement bien situé. On est à 2 pas du centre-ville. Allez, même pas 5 minutes en voiture des universités, écoles d'ingénieurs, IUT, tout ça. Donc, on est extrêmement bien situé et le chantier, hop, désolé, le téléphone a sonné, et le chantier devrait démarrer d'ici 15 jours, bien entendu. Je vous ferai suivre l'avancement des travaux.